Donc là, c'est la suite. Ah, pour ceux qui disent circulation, je veux savoir. C'est bien comme on disait un petit peu avant. Ah, c'est sûr que c'est pas tous les jours que j'ai envie de manger avec des fans, mais bon. Manger avec 1, 2 fans, c'est pas manger avec 5, 10, 15, 20 fans. Un des fans, vous pouvez les gérer. 5, 10, 15, 20 fans. C'est pas forcément gérable. Seul. Hier soir, quand je suis sorti faire du sport, j'ai remarqué que ma concentration était pertinente. Visiblement, il semble que l'activité physique ait un effet très positif sur la concentration mentale du cerveau. Parce que là, je vous dis, en sortant faire le sport, je me suis mis à devant l'ordinateur à faire des choses. J'étais tellement concentré que je vous dis, j'ai eu le sentiment que normalement je reste concentré, peut-être non-stop, 1 heure et demie. Mais là, j'ai vu que au bout de 3 heures, 4 heures, je reste concentré comme si s'il y avait un compteur d'aiguille. Voilà, je fais le compteur d'aiguille, voilà. Donc, voilà, donc là c'est 0, et puis là c'est 100%. Eh bien, tous les jours, je suis concentré, mettons, à 30%. Mais là, en sortant faire du sport, j'ai dû arriver à une concentration à 70%. Et parce que, wow, je sais pas, j'ai senti une activité améliorée due au fait que j'étais sorti faire une longue marche. Oui.